L'idée du film, c'était que j'avais l'intention de faire un film sur l'éducation. C'est surtout parce que j'étais vraiment impliqué dans l'éducation de mes enfants et que ça m'intéressait. Mais comme je ne suis pas un professeur, j'ai dû rentrer en immersion vraiment dans un collège. Et donc effectivement, c'est un constat, c'est une analyse aussi de l'état de la société au niveau en tout cas de l'éducation. Pas de tout l'état, parce que ça serait un peu prétentieux, mais en tout cas de ce que j'ai vu. Quand t'as vu arriver ici, là, dans le collège, on a vu tout de suite que t'allais droit dans le mur. Et maintenant, t'es là, t'arrives, tu nous fais des leçons de morale. Et d'où est-ce que vous passez une heure de colle? J'ai fait quoi? 2 heures de colle. Mais j'ai rien fait. 4 heures. Voilà, et j'ai voulu en faire aussi quelque chose avec pas mal d'humour. Et je voulais vraiment qu'on rie sur un sujet quand même assez grave. Oui, c'est une vision un peu condescendante de croire que dans des milieux peut-être plus socialement moins élevés, on rit pas et on vit pas. Et c'est, il y a les mêmes joies, il y a les mêmes plaisirs, il y a les mêmes bonheurs. Un petit conseil avec les élèves, fais-toi respecter tout de suite. Je m'appelle François Foucault. Mais je m'appelle Foucault. Voilà. Mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'essayer d'aborder des sujets profonds, mais d'avoir le plaisir d'aller vivre des histoires par procuration. Ouais, c'est aussi de faire réfléchir, de donner de l'énergie. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. Non, c'est moi, je m'excuse. C'est les relations humaines, vraiment, et essayer de montrer les conflits, mais d'essayer qu'on peut peut-être qu'on peut les dépasser aussi. Voilà. Oui. À Paris, on limite encore les dégâts, mais en banlieue. On y parachute des jeunes profs totalement inexpérimentés, alors au contraire, il faudrait nommer des professeurs expérimentés. Voilà, ça n'existe pas un film qui est écrit facilement, qui est tourné facilement, qui est monté facilement. Il y a forcément des moments durs, comme monter une montagne, quoi. L'Annapurna, c'est pas facile. Professeur agrégé à Henri IV, l'un des meilleurs lycées de France. Pénélope 5, on s'ennuie beaucoup à vous lire ça. Et vraiment travailler sur les personnages et sur essayer d'apporter un regard nouveau. Parfois on a l'impression qu'on raconte quelque chose de nouveau, on travaille très longtemps et on s'aperçoit que ça a déjà été dit, fait, etc. Donc c'est... Voilà.